Bonjour à tous. Alors, il est très important de faire un point sur Tisha B'Av qui tombe dimanche. Cette année, Tisha B'Av tombe dimanche. Il n'est pas repoussé. Il tombe Motseï Shabbat et dimanche. Donc, il y a beaucoup d'alachot à connaître et à savoir sur cette année. Déjà, on va Bezrat Hashem catégoriser sa alachot sur la semaine qui précède Tisha B'Av, sur les lois de Shabbat veille du jeûne, sur les lois de Arvit, la prière de Arvit de Motseï Shabbat, la Avdala, beaucoup de choses à savoir, une Brit Mila qui tombe dimanche, comment on doit faire, et la fin du jeûne. Alors, il faut savoir que lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat et qu'il est repoussé à dimanche, ou bien comme cette année, il n'est pas repoussé, il tombe samedi soir et dimanche, il n'y a pas de loi qui concerne la veille, toute la semaine qui précède Tisha B'Av. On a trois catégories de coutumes de deuil durant cette période de trois semaines. On a depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. On a depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine où va tomber Tisha B'Av. Et la semaine de Tisha B'Av jusqu'à Tisha B'Av. S'ajoutent plusieurs coutumes de deuil au fur et à mesure. Et la semaine où tombe Tisha B'Av, par exemple, si Tisha B'Av tombait mardi, à partir de samedi soir, on n'aurait plus le droit de laver les vêtements. On n'aurait plus le droit de mettre des habits propres. On n'aurait plus le droit de se laver à l'eau chaude. On n'aurait plus le droit de se couper les cheveux et de s'raser la barbe. Très bien. Cette année, ça tombe samedi soir, dimanche. Est-ce que on a les coutumes justement de la semaine où tombe Tisha B'Av ou pas? Le Shulchan Aruch Siman 551 est explicite à ce sujet. Il rapporte l'opinion simple qu'on n'a pas de coutume de deuil Bichlal lorsque ça tombe dimanche, ça tombe samedi soir, dimanche. C'est pour ça qu'on aura le droit toute la semaine qui précède, on aura le droit de se raser, de se couper les cheveux, de laver les vêtements, de mettre des habits propres. Et de se laver à l'eau chaude sans aucun problème. Pour ce qui est de Shabbat, veille du jeûne, il est permis d'étudier tout au long du Shabbat jusqu'à la période de Ben Hashmashot. On sait très bien que lorsque Tisha B'Av ça tombe en semaine par exemple, à partir de Chatzot, à partir de la mi-journée, veille de Tisha B'Av, on évite d'étudier tout ce qui concerne une étude de Torah normale. On essaye d'étudier uniquement les choses qui concernent le deuil. Là, étant donné que ça tombe Shabbat, on n'a pas l'obligation de s'arrêter dans notre étude normale. On peut continuer à étudier jusqu'à l'heure de Ben Hashmashot. Donc, à partir du coucher du soleil, on arrête d'étudier les choses extérieures, les choses de Torah. On commencera à étudier uniquement les lois, les choses qui concernent Tisha B'Av, les choses qui concernent le deuil. En tout cas, tout ce qui est étude plus de deuil. Il faudra faire attention la veille de Shabbat, donc pendant Shabbat, de ne pas se promener durant toute la journée. Pour quelle raison? Parce qu'il faut éviter cette journée, veille de Tisha B'Av. On essaie d'éviter de se promener tout au long de Shabbat. Il est interdit de préparer les quinotes pendant Shabbat. Il y a un officiant, il a l'habitude de préparer les quinotes veille de Tisha B'Av. Là, étant donné que veille de Tisha B'Av, c'est Shabbat, il n'a pas le droit de préparer pendant Shabbat. Pour quelle raison? Parce que les quinotes elles-mêmes, elles apportent aussi les pleurs, la tristesse. Chose, bien évidemment, à grandement éviter le jour de Shabbat. Amintra, on ne prononcera pas les trois passages de Tzidkatecha. Pour quelle raison? Parce que Tisha B'Av, en espérant qu'il se change en Moed, il se change en Yom Tov, en jour de reconstruction du Beit HaMikdash. C'est pour cela qu'on prépare la reconstruction du Beit HaMikdash et Amintra veille donc de Tisha B'Av, qui est en l'occurrence Shabbat. On ne prononcera pas les trois passages de Tzidkatecha qu'on a l'habitude de faire tous les Shabbatot. Pour ce qui est de Seouda Shlishit, on connaît tous que veille de Tisha B'Av, normalement, on fait une Seouda Tamafseket. La Seouda, on s'assoit par terre, on prend un œuf, un pain, tout dépend de chaque coutume, et on s'assoit par terre, on mange cela sans parler, sans... Voilà. Il faut savoir qu'étant donné que c'est Shabbat, on ne fait pas du tout de Seudat Amafseket cette année. On fait Seudat Shlishit normal, qui est Seudat Shlomo Ameler, comme ça c'est écrit dans les poskim, comme une Seudat de Shlomo Ameler, avec du vin, de la viande et tout ça. Aucune restriction, il ne faut pas se restreindre de quoi que ce soit, on fait Seudat Shlishit normal. Mais attention, il faudra faire Mintra avant l'heure normale, pour qu'on puisse débuter la Seudat Shlishit avant l'heure normale, afin de pouvoir terminer tout déjà 5 minutes avant le coucher du soleil, parce qu'à partir de 5 minutes avant le coucher du soleil, on n'a plus le droit de consommer quoi que ce soit. Étant donné que pendant Tisha B'Av, on n'a pas le droit de laver la maison, on n'a pas le droit de laver la vaisselle et tout ça, il est préférable le Shabbat où tombe la veille de Tisha B'Av, il est préférable d'utiliser des ustensiles en plastique. Au moins, on n'a plus ce problème-là de laver Motseï Shabbat. Parce que si on utilise des ustensiles en verre, on n'aura pas le droit de les laver samedi soir.
Donc, pour éviter non plus un monceau de vaisselle, on a le droit d'utiliser de la vaisselle en plastique assez mechoubedet, assez bien, assez mechoubad, assez. Voilà, mechoubedet, ok, assez honorable, la veille donc de Tisha B'Av qui tombe Shabbat. On aura le droit de s'asseoir sur des chaises tout au long de Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat. Il faut faire attention à cela. On pense qu'à partir du moment où on commence le jeûne, donc 5 minutes avant le coucher du soleil, toutes les lois du deuil commencent à ce moment-là. Non. Uniquement de ne pas manger 5 minutes avant le coucher du soleil. Pour tout ce qui est de fait de s'asseoir sur une chaise et tout ça, il n'y a aucune restriction. Au contraire, c'est Shabbat. Il faut garder encore ce sens de Shabbat jusqu'à la sortie du Shabbat. On devra faire attention de ne pas dire durant Souda Shishit que l'on mange pour se préparer et pour être bien le jour de jeûne. Sinon, pourquoi ? Ça serait considéré comme une préparation au jour de jeûne et ça, c'est interdit. On ne devra pas retirer les chaussures en cuir au coucher du soleil aussi, au même titre que de ne pas s'asseoir sur une chaise basse à partir du coucher du soleil. Non, on devra rester assis sur une chaise normale, sur un canapé normal, sans aucun problème. Jusqu'à Motsé Shabbat, la même chose, on n'aura pas le droit de retirer ses chaussures en cuir à partir du coucher du soleil, parce que là, ça montre comme si on rentrait dans un deuil, mais on devra le faire uniquement à la sortie de Shabbat. La même chose, on ne devra pas changer de vêtements de Shabbat à celle de la semaine, ok ? On ne devra pas les retirer et se changer à partir du coucher du soleil. Non, uniquement lorsqu'arrive la sortie de Shabbat. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut faire attention qu'on n'a pas le droit de garder les habits de Shabbat pour le soir de Tisha B'Av et pour Tisha B'Av même. Pourquoi ? Parce que les habits de Shabbat, c'est des habits assez propres, assez bien, assez mechoubad, assez honorables et aussi qui rapportent un peu de joie, ok ? Donc, il faut changer de vêtements. Et les vêtements, il faut faire attention. Même si on n'a pas eu à avoir besoin, la semaine qui précédait Tisha B'Av, on n'a pas eu à avoir besoin de mettre des habits qui n'étaient pas lavés. Okay? Là, pour Tisha B'Av, il faut mettre des habits qui ne sont pas spécialement propres, des habits déjà portés. Donc, si on n'a pas et on a omis de les préparer la veille de Shabbat, on pourra les préparer pendant Shabbat. C'est en fin de compte une seule tenue. Okay? Une seule tenue pour samedi soir et dimanche matin. On aura le droit donc de mettre ses tenues pendant Shabbat, de dormir avec, comme ça, ce n'est pas considéré comme une préparation. Et ensuite, on se réveille, on retire, on remet nos habits de Shabbat. Fermons la parenthèse. Avant de changer de chaussures à Motsé et Shabbat ou avant de changer de vêtements, il faudra faire attention de dire « Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol » avant donc de commencer la semaine, donc en commençant à changer de chaussures, à commencer le deuil. Donc, il faut dire « Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol ». Il faudra faire attention lorsqu'on change de chaussures, étant donné que pendant Tisha B'Av, on est dans l'obligation de ne pas se laver les mains jusqu'au poignet, mais uniquement jusqu'aux phalanges. Il faut faire attention lorsqu'on change de chaussures, de ne pas trop toucher la chaussure. La chaussure du dessus, il n'y a pas besoin de faire Nitya Tzadayim. Mais si on touche en dessous de la chaussure ou à l'intérieur de la chaussure, là, il faut faire Nitya Tzadayim. Et donc, c'est mieux de faire attention lorsqu'on change des chaussures Motsé et Shabbat, de ne pas toucher la chaussure là où il nous incombe de faire Nitya Tzadayim. Si on a touché là où il ne faut pas, alors bien évidemment, il faudra faire Nitya Tzadayim, mais attention jusqu'aux phalanges. Les fidèles, ils ne prendront pas avec eux pendant Shabbat leurs affaires, leurs vêtements ou bien leurs livres de kinote. Bien évidemment, on parle dans un endroit où il y a un hirouv. Pour ceux qui sont moins stricts de porter dans un endroit où il y a un hirouv, évidemment, en France, on n'a pas cette problématique, étant donné qu'on n'a pas le droit de porter pendant Shabbat. Il faudra faire attention avant Arvit de retirer la parochet juste après le passage de Baruchou. On a fait Baruchou et Hashem Evorach, Baruch Hashem Evorach L'Olam Va'ed. À ce moment-là, on retire la parochet. Ou bien on la retire complètement, ou bien on la met sur le côté droit ou sur le côté gauche. Pour le Arvit de Motsé Shabbat. Arvit de Motsé Shabbat, en général, on va le faire un peu plus tard qu'à l'ordinaire. Pour quelle raison ? Parce que tous les fidèles se trouvent à la maison pour se changer à la sortie du Shabbat. Donc, on va rajouter 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, on va pouvoir faire la prière de Arvit. Il sera défendu de préparer la synagogue pendant Shabbat. Si les Gabaïm, ceux qui s'occupent de la synagogue, ils ne vont pas commencer à préparer les chaises spéciales pour Tisha B'Av, commencer déjà pendant Shabbat, Chas V'Shalom. On devra commencer à préparer tout cela uniquement à la sortie de Shabbat. Lors de la prière de Arvit, on ne dira pas le passage de Vi Noam, comme on a l'habitude de faire Motsé Shabbat, on débutera directement en Ve'at HaKadosh Yoshev Tzevot Yisrael Ve'Karazel Zeva Amar. Pour ce qui est de la Havdala, pendant Motsé Shabbat qui tombe Tisha B'Av, on ne doit pas faire du tout de Havdala. Du tout de Havdala. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire la Havdala sur le Va. Okay ?
Donc la seule Havdala que l'on va faire, c'est uniquement dans la prière de Arvit. La prière de Arvit, on rajoute le passage de Atachonatanu comme à notre habitude. Avant la lecture de la Megillat Echa, donc après la Mida, avant la lecture de la Megillat Echa, on dira la bracha, l'officiant il va allumer donc une flamme et on va faire dessus la bracha de Boré Meoré Aesh. Bien évidemment, comme on a dit, on ne fait pas sur le vin hein, du tout la Havdala. On fait uniquement Boré Meoré Aesh. Celui qui a omis de faire la bracha de la flamme pourra se rattraper tout au long de la nuit. Mais attention, arrive le jour, il ne pourra plus se rattraper sur Boré Meoré Aesh. Pour quelle raison? Parce que cette bracha de Boré Meoré Aesh, elle incombe uniquement le samedi soir. C'est à ce moment-là où Kadosh Baruch Hu, il a donné connaissance à Adam Harishon de comment créer une flamme à partir d'un frottement de deux pierres spécifiques. Et là, il a créé la flamme. Donc, en souvenir de cela, on fait la bracha de Boré Meoré Aesh le samedi soir. Il faut savoir que cette bracha de Boré Meoré Aesh incombe autant les hommes que les femmes. Une femme qui ne fait pas la tefila de Arvit, elle ne fait pas donc la bracha, le passage de Atachonantanu. Et donc, il faudra faire très attention que les femmes, tout d'abord, sont dans l'obligation de faire Boré Meoré Aesh samedi soir. Donc, il faut dire à chacune de nos femmes ou à nos filles de faire la bracha de Boré Meoré Aesh à la maison. Il faudra qu'elles fassent attention avant de faire quoi que ce soit comme Melacha, de dire Boré Meoré Aesh, Baruch Hamavdi, pardon, Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol. Donc, étant donné que là, ça va être la première Melacha qu'elle va faire, donc avant d'allumer la flamme, elle devra dire Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol. Une personne qui mange, une personne qui est exemptée du jeûne, une personne où son médecin lui a conseillé de ne pas manger le jour du jeûne. Alors cet homme-là est exempté ou cette femme est exemptée du jeûne. Quand est-ce qu'elle doit faire la Havdala? Alors, à partir du moment où Chachamim ont exempté, par la recommandation du médecin, ont exempté cet homme ou cette femme-là de jeûner, il ne lui incombe pas du tout de commencer à jeûner. Bimkom, ça a l'ogaz Chachamim en cas de souffrance, Chachamim nous ont pas du tout... Ils n'ont pas du tout rentré dans l'obligation du jeûne. C'est pour ça que la mitzvah de Havdala débute à partir de samedi soir. L'homme ou la femme, il ne peut pas se dire « Attends, moi, je mange que demain matin, donc je ferai la Havdala demain matin. » Non, la Havdala se fait sur l'instant T, Motsé, Shabbat. Lorsqu'il va faire la Havdala, ce malade, il ne devra pas rajouter les passages qu'on a l'habitude de faire, Rishon, Nitzanaïnaïnam, etc. Il devra dire tout d'abord, il devra commencer à partir de Savri Maranan, Boré Peragefen, ensuite Boré Moraesh et ensuite Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol ou Ben Ole Chosher, etc. Lorsque ce malade va faire la Havdala, il devra boire, et il sera dans l'obligation de boire la moitié d'un révit de vin, donc à peu près 41 ml de vin. Bien que le jour de Tisha B'Av, ou bien tous les jours qui précèdent Tisha B'Av durant les 9 jours, il nous est interdit, évidemment, on a la coutume de s'interdire de consommer de la viande. Il y en a certains qui ont la coutume de ne pas boire de vin. Le jour de Tisha B'Av, c'est rapporté dans Yecheskel, Chas V'Shalom, qu'une personne qui boit du vin ou qui mange de la viande, c'est très 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 grave. Alors comment lui, lors de l'Havdala, il peut boire ce vin ou ce jus de raisin? Tout simplement, étant donné qu'il fait ça les Tzorach Mitzvah, il ne fait pas ça pour dénigrer le jeûne. Au contraire, là, il a l'obligation de boire ce vin-là. Il ne doit pas se restreindre de boire le vin. Si la personne malade ne sait pas soi-même faire l'Havdala, comment il fait? Alors une personne qui fait le jeûne, il a le droit de le rendre quitte du vin. Il aura le droit de le rendre quitte de la Havdala. Donc il fera Kos Ishuadessa, Savre Maranan, Boré Pera Gefen, ensuite Boré Moraesh, ensuite Baruch Hamadou Mekodesh Lachol, et la bracha finale. Qu'est-ce qu'il doit boire à la fin? Ce malade, il doit boire ce vin, ce jus de raisin. Cet homme-là qui rend quitte, cet homme-là qui est exempté du jeûne, il pourra penser à se rendre quitte de la Havdala et donc par extension ne pas devoir le refaire dimanche soir. Ça, c'est permis aussi. Une personne qui est malade qui fait le jeûne pourra rendre quitte aussi d'autres personnes. Pourra rendre quitte les membres de sa famille qui eux font le jeûne. Il pourra leur dire, voilà, je vous rends quitte de la Havdala. Et donc, dimanche soir, on ne sera plus dans l'obligation de faire la Havdala. Il faut savoir qu'un enfant, moins de l'âge de Bar Mitzvah, il ne doit pas jeûner. Il ne doit pas jeûner. Mais il a aussi l'obligation de faire la Havdala. À partir de l'âge de Chinuch, il a l'obligation de faire la Havdala avant de manger. Donc là aussi, on devra dire à nos enfants, plus de l'âge de 6-7 ans, de faire la Havdala samedi soir. Kos Ishuotessa, Savri Maranan, Boré Pera Gefen, Boré Moraesh, Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol, Baruch Ata Hashem, Hamavdi Ben Kodesh Lechol. C'est ce que doit faire aussi un enfant. Celui qui boit uniquement le jour de jeûne. Par exemple, une femme qui est enceinte et que son médecin lui recommande de boire de l'eau. Il lui dit, il n'y a pas besoin de manger, mais
tu as l'obligation de boire beaucoup d'eau le jour de Tisha B'Av parce que, Chazé Shalom, cette femme-là a la tendance à faire beaucoup de contractions. Alors, selon les recommandations de son médecin, elle devra suivre ces recommandations-là. Si donc elle doit uniquement boire, elle ne doit pas s'arrêter de jeûner. Elle doit boire tout au long du jeûne, mais elle ne doit pas manger. Et donc, est-ce qu'elle est dans l'obligation de faire la Avdala ou pas? Il faut savoir qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'une personne n'est pas dans l'obligation de faire la Avdala si c'est uniquement pour boire. Par exemple, avant la Avdala, on a le droit de boire de l'eau, uniquement de l'eau. Ni de l'eau gazeuse, ni du thé, ni du café, uniquement de l'eau. Donc, étant donné que cette femme-là, elle va boire tout au long du jeûne, elle n'est pas dans l'obligation de faire la Avdala la veille de la Motsei Shabbat. Elle fera la Avdala comme tout le monde dimanche soir. Pour une Brit Mila qui tombe dimanche, les préposés à la circoncision tels que le Moël, le Sandak ou bien le père de l'enfant se devront de jeûner comme tout le monde. Si ça tombe Shabbat et c'est repoussé au dimanche, là ça sera différent. Mais étant donné que c'est dimanche, le Tisha B'Av, là personne n'est exempté de faire le jeûne. Ces mêmes préposés à la circoncision auront le droit de garder leurs habits de Shabbat en l'honneur de la Brit Mila. Mais attention, ils n'auront pas le droit de revêtir des habits neufs le jour de la Brit Mila, qui est en l'occurrence le jour de Tisha B'Av. Dimanche soir, donc, on fera la Avdala simplement sur le vin. On devra dire Kos Yeshuot et ça, Savri Maranan, Boré Pera Geffen, directement Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol, Ben Or Lechosha, Baruch Ata Hashem, Amavdil Ben Kodesh Lechol, et on boira le vin à ce moment-là. Et on a l'habitude, dernière halakha, on a l'habitude de faire la Birkat Alevana à la fin du jeûne, même si samedi soir, normalement, on a l'habitude de faire avec tout le monde la Birkat Alevana. Là, à ce moment-là, on attendra dimanche soir avec tout le monde de faire la Birkat Alevana. En espérant, Bezrat Hashem, Shiniski, Lirot, Bebinyan, Yerushalayim, Obesimchata, et que toutes ces halachot soient uniquement théoriques et on n'ait pas à pratiquer ce genre d'halachot, par la reconstruction de Bet HaMikdash, Bekarov, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.